cliquer sur la mention « Accepter » à chaque fois que nous consultons un site internet. C'est obligatoire depuis le règlement européen de la protection des données personnelles. Mais êtes-vous capable de me dire, nos auditeurs comme vous, Mathieu, ce que vous avez vraiment accepté ? Pas du tout. C'est pas vraiment pas sûr d'avoir lu une seule fois ce sur quoi je cliquais. Pourtant, des effets pervers se cachent dans ces textes. Certains sites en profitent pour nous faire accepter tout et n'importe quoi. Les précisions, écoutez, avec Aude Leroy. Je vois un onglet et je clique « OK » parce que c'est trop petit pour que je puisse lire et comprendre. C'est du charabia. La première fois, j'ai lu en entier et depuis, je ne lis plus. Et si, comme ces Français, vous cliquez machinalement sur cet onglet, sachez que ça revient à donner un blanc-seing à l'exploitation illégale de toute votre identité numérique. Un numéro de carte bancaire ou de téléphone, vos mots de passe, etc. Ce RGPD, qui devait protéger vos données personnelles, est victime de votre laisser-aller, explique Damien Bancal, spécialiste en lutte contre le cybercrime. J'ai un exemple assez précis, ce petit onglet qui dit « OK, acceptez nos règles d'utilisation et d'utilisateur ». Qui aujourd'hui va lire l'intégralité de ce mode d'emploi ? Sauf que, en le lisant, on découvre que dans l'une des lignes, il est marqué « Vous ne pourrez plus jamais effacer votre compte ». Toutes les informations que je vais envoyer vont appartenir à la société, mais elle s'en moque un petit peu. Elle va collecter tellement de données que même si ensuite je les fais effacer, il sera trop tard. Un autre effet pervers de ce qui devait protéger l'utilisateur, c'est que même l'entreprise vertueuse qui aura mis les moyens pour protéger vos données personnelles, même elle, n'est pas à l'abri d'un piratage. Auquel cas, une nouvelle fois, vos données seront exposées à faire le tour du monde des cybercriminels et vous aurez donné votre accord préalable. Reportage signé Aude Leroy pour Europe 1.